Allez, allez, salut, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lotary Gollum, la chaîne entièrement dédiée à la culture geek. Bon alors, on s'était quitté donc ici avec Legolas, il me semble, et on se retrouve avec Gandalf. Donc mes compagnons n'ont pas abandonné, ils sont toujours là. Écoutez, j'ai toujours possibilité d'aller faire la quête avec Frodon, enfin le nouveau suivant avec Frodon et Sam. Mais j'ai bien envie de continuer avec Gandalf et Aragorn, parce que leur histoire est bien plus classe. Enfin, du moins pour l'instant. Enfin voilà, c'est surtout que je préfère. On sent qu'il y aura plus d'action ou quoi, des trucs de genre là. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors j'ai fait mon petit tour de balayage habituel. Donc sans aller jusque là-bas pour éviter de spoiler la vidéo. Et attention, hop, écoutez ça. Musique. Le Rohan. Ah, enfin, une bonne musique. Enfin, c'est toutes les musiques d'avant étaient bonnes, mais celle-là, c'est vraiment. Personnellement, c'est l'une de mes préférées, franchement génial. Ah oui, alors un petit truc, ici, avec Gimli, vous pouviez détruire, il y a une petite porte, et derrière, il y a un bloc de mithril. Je rappelle, bloc de mithril, pour faire ce qu'ils appellent le crafting, tâche, ou je sais pas. Alors, et donc, on voit même Minas Morgul là-bas, dis donc, on voit vachement loin. Ah, et de l'autre côté là-bas, on peut voir, normalement, Orthanc, voilà, Orthanc, tour de Saruman. Nous arrivons à Edoras. Un poulet! Non, on peut pas tuer le poulet. J'ai pas pris la bonne direction. Ouais, allez, ça commence bien. Laissez-moi passer, bordel, je suis Gandalf. Laissez passer le magicien blanc. Genre, c'est ça l'entrée d'Edoras? Ce que c'est? Ah oui, non, d'accord, c'est l'espèce de mini falaise. Oh là là! Alors, le niveau suivant, ok, ok. Allez. Ah, c'est Amar. Ah, vous ne pouvez pas voir le roi Théoden ainsi armé, Gandalf Maison Grise. Ah oui, il a retrouvé, il s'est mis ses cheveux de gris. De son appui. J'adore cette excuse, elle est tellement génialement trouvée. Ce petit clin d'œil qui va bien. Monseigneur, Gandalf le Gris. Oh, ce qu'il est moche, Grima. Les gardiens d'or, c'est le bordel ici. C'est parce qu'ils sont possédés, ils ont des yeux bizarres. Très pertinente, mon suzerain. Fais silence. Ah, Gandalf est redevenu blanc. Son bâton. Je vous avais ordonné de lui prendre son bâton. Ta bête. T'as peur d'un bâton. Non. On affronte les... On affronte les hommes du Rohan. Quand même, on va plus. À quoi que si les gens ils sont en nous. Ah, évidemment, on n'a plus que dalle dans notre inventaire, et évidemment. Et là, on peut pas faire de feu. Ah oui. C'est vrai qu'avec son bâton, on peut faire ça. Voyez donc, faut que vous en souvienne de ce coup-là. Donc là, le seul personnage qui a l'air d'être utile, c'est Gandalf. Qu'est-ce qu'on a ramassé là, dedans? Un rouleau à pâtisserie. Une cuisse de poulet. On fait une recette de cuisine? Ah non, une lance. Ah, écoutez, une lance, on va peut-être du coup la refiler. Ah, ça a l'air d'être trop tard, merde. Non. Ah! Faut vraiment que je lui fasse à cet inventaire?
Non, on peut pas la... Bon, trop vite, trop tard. Un bougeoir. Ah non, c'est des bougies, d'accord. Tiens, je me veux avec une cuisse de poulet, je fais un ouf, moi. J'ai détruit quoi? Tiens, j'ai détruit la bougie. Les meubles du roi. C'est complètement cinglé. Une porte, est-ce qu'on peut la détruire là? D'accord, mais ça n'a pas l'air d'être trop nécessaire de la détruire. De toute façon, les pièces viennent automatiquement. Pourtant, j'ai pas encore le bonus aimant. J'espère qu'ils l'ont laissé parce que c'est franchement un bonus vachement pratique. Pas avoir à se déplacer de 30 000 km juste pour récupérer les pièces, ça fait gagner un temps fou, vous imaginez pas. Allez, on continue à détruire les meubles. C'est plutôt, on n'a pas grand chose à faire foutre. Vilain, dégueulasse, laisse-moi passer. Et un nouveau steak. Et un nouveau bougeoir. Je n'ai pas encore trop d'utilité. Là, franchement, je vois pas trop à quoi cela pourra-t-il servir. On va bien finir par le découvrir. Ah, une table détruite. Tu ris quoi? Ah, une lance, alors on va la donner à Aragorn. Il se bat avec une lance comme il se bat avec une épée. Allez, vilaine table. Allez, on détruit tout le mobilier, vilain mobilier. Allez, ça aussi une lance. On continue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis légèrement paumé. Je suis très légèrement paumé. Alors, il doit y avoir un moyen de faire un feu, je pense. T'as rien pour faire un feu. Alors, là... Ah, il doit y avoir moyen de récupérer ses armes, je pense. Je pense. À moins que... Non. Et... Alors là, j'avoue, je suis très... Ah, j'ai compris! Je vous aspirerai, Saruman, comme on aspire le poison du... D'accord. Ok, j'ai compris la strat, allez, on continue. Voilà, c'est un espèce de mini-boss. Ah, j'ai oublié de détruire ça avec Gimli, tiens. Ah, dégueulasse, dégueulasse. Ouais. Gandalf et sa magie. Oh, je suis un peu con, moi. Ah, bravo. Alors, ça c'est futé, alors, dis donc. C'est tellement évident, t'as une cage qui peut pendre du plafond. Non, c'est évident. Que... Oh, c'est évident qu'elle va te tomber dessus quand tu passes dessous, mais moi, faut que je passe dessous. Je suis trop con, c'est pas possible. Alors oui, Gimli. Ah oui, mais... Évidemment, on a besoin d'une hache. Et on n'a pas de hache. Bravo, c'est pratique. Bon, bah on retourne le taper. La strat. J'imagine que je dois aller le faire, aller là. Ça doit être... Alors, le poursuivant. Oui, c'est ça. D'accord.
J'ai bien compris cette fois. Tu m'as loupé. Et là, encore une fois. Si tu sors, Théoden meurt. Il s'en va un petit peu là. Ah, tous les petits les potes. Mais... Je ne me refasse pas avoir comme un con, n'est-ce pas? Mais voilà, niqué. C'est con, hein? Voilà! Fini! Ouh! Et donc, ça fait déjà 10 minutes de vidéo à peu près. Et on a enfin, dis donc. Ah, ils font ça comme ça! Ah, d'accord, ok! Ces épées sont tellement classe. Cette musique. Écartez-vous de mon chemin! Ce n'est qu'un avant-goût de la terreur que Saruman peut répandre. Combattre. La guerre est déclarée. Je sais ce que vous voulez de moi. Je ne ferai pas subir de nouvelles pertes à mon peuple. À ordre du roi, nous partons nous réfugier au gouffre de Helm. La transition de malade. Alors là, on va voir le combat avec les alors qu'ils devraient rester se battre. Et Homer, vous êtes loyal. Ces hommes vont revenir et se battront pour leur roi. Avec de la chance, ma quête ne sera pas vaine. Trop explicite, je trouve. Ah, des wargs, nous sommes attaqués. Des wargs. Emmène ces gens au gouffre de Helm. Ne perds pas de temps. Allez, chargez. Ah, dis donc, première fois qu'on est dans un niveau à cheval. Oui, ça promet d'être bien. Allez. Wouhou. Oh, je m'éclate trop dans ce niveau. Je pense que je vais le refaire souvent juste par plaisir. Alors avant d'éliminer l'autre warg, on va détruire un petit peu tout ça. Ok. Oui, j'ai pas besoin de ça, je sais, c'est un métier. Ok. Allez, on y va, on progresse. Sauvegarde, on y va. On peut voir qu'on va pas s'en occuper tout de suite. On va d'abord nettoyer la zone pour être sûr. Par contre, il y a pas de trucs à faire avec les glaces et les ennemis. Ah, il y en a que deux pour l'instant. On va profiter qu'il est pas là et que j'ai peu de chance de le toucher. Ah d'accord, les cailloux c'est plus résistant, on peut pas les détruire avec un cheval. Ça suit une certaine logique, ok, pourquoi pas. Allez, on progresse. Et donc... Ah non, on peut avoir que 3, on peut pas avoir Théodame, dommage. Ça aurait été pourtant bien sympa. Allez donc, vaste niveau. Avec le 3 qui se baladons, là, il n'y a pas... Les cavaliers, ne serait-ce qu'en arrière-fond, c'est quand même bien plus sympathique. Oh là là, ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Lâche-moi, truc. Ouh, j'ai failli me péter la gueule, j'ai flippé là. Ah non, j'ai dit que je chantais pas et puis j'ai aimé à chanter. Va falloir que je me reprenne souvent, j'ai l'impression. Par contre, je sais pas ce que cette musique fout là. Parce que dans le Seigneur des Anneaux, petite anecdote, dans le Seigneur des Anneaux, c'est un petit peu comme dans Pierre et le Loup, chaque musique se rapporte à un personnage ou une communauté. Et c'est... Aïe, les pièces, flûte. Et... Ah non, mon cheval. Oh bah merde. Oh, alors ça, si ça c'est pas
que la chatte. Allez-vous comme ça. Ah, on peut récupérer un cheval, très bien. Donc qu'est-ce que j'ai? Oui, donc chaque musique se rapporte à une personne ou une communauté. Et la musique qu'il y avait avant, là, quand je disais qu'est-ce qu'elle faisait là, c'était la musique du Mordor. Enfin, qui est associée au Mordor. Vu qu'on n'est pas trop au Mordor et qu'on affronte Isengard. Non! Et j'ai pas eu le temps de changer de personnage avant de tomber. Alors, récupérer mon cheval. Ah oui, j'avais déjà dit la première fois qu'on a eu un cheval avec Arwen, là, mais bon. Ces chevaux sont décidément d'un savonneux. Alors, c'est absolument pas possible, vous imaginez pas à quel point c'est galère de se balader avec ça. Regardez, un saut, c'est absolument... C'est hallucinant. C'est quoi d'autre mot? Encore une fois, je me suis perturbé pour pas grand-chose, mais... Ah, quand même, c'est super dur à prendre en main. Ça, c'est de la chance entièrement. Ok. Bon, j'ai l'impression que vu que c'est une zone assez vaste, que ça va prendre un petit peu de temps de vider tout le niveau, de vider toute la zone. Oh là là, oh là 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 là. Aragorn. Gimli, tu récupères ton cheval. Non. Voilà, ton cheval. Ok. Aragorn maintenant. Oh là, vous auriez pu faire un système plus simple quand même quand on est à cheval pour changer de personnage. En tout cas, c'est quand même bien sympa d'avoir. J'ai critiqué beaucoup, mais c'est franchement bien sympa d'avoir ces chevaux. C'est la première fois qu'il y a un style de jeu comme ça dans un jeu Lego. Tiens d'ailleurs, je sais pas si ça en intéresse certains, mais il est prévu aussi de sortir, je sais pas pendant combien de temps c'est. Mais il y a un jeu Lego Lego Marvel de prévu. Il y avait déjà les jeux Lego Batman avant, qui était donc c'est DC. Et Marvel, donc là il y aurait Wolverine, les Avengers, les Marvel quoi. Voilà. Et je sais pas ce que ça va donner, mais franchement ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Surtout qu'en général ouais, ça dépend. J'allais dire, les héros Marvel sont plus classe que les héros DC, mais Batman, c'est quand même un héros qui a super la classe. Ouais, ouais, Superman, un peu moins. Surtout après plusieurs films. C'est dans les films, il fait un peu fiotte. Et dans les séries, il y a des séries à la con. Pour le fait que j'ai cité, hein. Pas faire de tâches, mais... Dans les comics, je dis pas, Superman il est pas mal, mais il a un petit peu été rendu ridicule. Comme Spider-Man, il a été rendu parfaitement ridicule par le dernier Spider-Man sorti en film. Je vois pas comment on a pu presque penser ce truc. Allez, on continue. Véritable aventurier. Ah! Et donc je progresse, ça fait quoi? Deux niveaux de suite que je suis véritable aventurier, mais on va finir par. Ça m'énerve, c'est la première fois que je suis prêt à aventurier dès le début des niveaux dans tous les jeux Lego qu'il y a. Avant il y en avait juste 2-3 quoi, mais en règle générale j'arrivais à. Après avoir aventurier dans les autres jeux, si peut-être dans Lego Indiana Jones, mais en règle générale j'arrivais toujours à compléter la barre de pièces quoi. Et là j'arrivais pas depuis un moment, ça m'avait un petit peu frustré. Allez, on continue. Ça fait plaisir d'avoir un combat à cheval quand même qui est plus efficace que celui de Skyrim. Oh, celui de Skyrim, il est absolument horrible. Oh là là, je sais pas pourquoi il joue, comment il le trouve. Mais on est obligé de se mettre sur le côté, mais de regarder devant soi pour taper des ennemis. Enfin, c'est absolument ridicule. C'est juste pour le principe qu'il y a un combat à cheval, quoi. Est-ce qu'on a tout nettoyé la zone? On a l'air. Du coup, on va prendre... Enfin, non, quasiment.
on va prendre Legolas. Ah, merde, quel con. Oh là là. Ouais, il n'y a que moi pour foncer dans le tas comme ça. Parce qu'il me semblait que Legolas avait des trucs à détruire. En effet. Allez hop. Ah d'accord. Mais en même temps c'était un petit peu évident que 5 fleurs n'ont pas l'air d'avoir trop d'intérêt qui conduit comme ça. Ouais, ça paraissait un petit peu évident que ça allait être un truc de genre. Ah, et puis c'est vrai qu'on peut tirer à cheval en plus. Hop. On va tester ça de suite. Le cheval continue de freiner en même temps que vous tirez. Ça, c'est bien sympa. Ils ont quand même géré leur combat à cheval. Les chevaux sont savonneux, mais les combats à chevaux ou cheval, ça dépend de si vous pensez plusieurs ou un cheval. Je vais pas vous mettre à faire des leçons de français. Mais oui, ils ont bien géré leur combat à dos de cheval. Là, on est sûr comme ça. Et voilà, et un petit coffre pour la route, ça fait plaisir. C'est bon. Après, on avait quelque chose à faire avec Gimli. Alors là, j'ai pensé à le faire correctement. Oui. Alors, Gimli est parfaitement ridicule sur un cheval. Alors. Ok, alors je le détruis juste pour les pièces. Mais apparemment, de toute façon, on a besoin de Gollum pour monter là-dessous. Ou alors d'avoir un item spécial. Alors, Gimli. Non, non, non. Aragorn. Arrête de te balader n'importe où. Tu reviens là-bas et tu descends de cheval. Tu as besoin de prendre Gimli. Hop. Putain. Oh non, 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 c'est pas possible de faire ça. Alors, prends Gimli. Voilà. Et de 1. Et de 2. Alors, Gimli, donc tu te remets sur ton cheval. Et on va pouvoir finir ce niveau, je pense, vu que la zone est nettoyée. Aragorn, allez, on charge! À l'assaut! Ah, tiens, c'est bon, ça sert à quoi? Pour l'instant, elle sert à pas grand chose. Sans sérieux, on peut monter sur les wargs? Oh yeah! Oh génial! Oh, je chevauche un warg! Oh! Alors, ça, si ça, c'est pas la classe. À l'assaut! Bon, c'est de la classe, mais on va quand même éviter. Parce que c'est... Voilà, je préfère le cheval quand même. Mais c'est génial, on peut chevaucher des wargs. Il est où l'autre? Allez! Les orques! Il les a attaqué, ces saloperies de wargs. Tiens, il est pas mal. À l'assaut! Oh, j'aime beaucoup cette phrase, dis donc. Je pense que je vais... Même après l'avoir fini en mode jeu libre, je pense que je vais le refaire souvent, décidément, ce niveau. Ah, c'est franchement celui que je préfère depuis le début. Ah, t'es là, fumier! Oui, je l'ai eu. Ça fait vraiment une ambiance... l'ambiance du film, quand. Ah, le chef des cavaliers warg. Alors, pourquoi a-t-il un corps d'elfe? Et non, les chevaux sont enfouis, c'est de la triche. Oh, d'accord, ça c'est sympa, dis donc. Oui. Ah, et on peut chevaucher, c'est là que chevaucher un warg est utile. Et allez, et il y en a encore un là. Parfait! Genre l'autre il va à main nue. Oh! Oh, ça doit faire mal! Oh non! Aragorn! Eh oui, parce que les hommes du Rohan trouvent la vie des chevaux plus importante que la leur. Dis-moi ce qui s'est passé et tu ne souffleras plus. C'est le mec, il a plus de jambes. Oh, tu souffriras plus.
La manière de le détruire. Le... Ah bah Aragorn il est mort, c'est bon. Gimli qui pleure. Ah décidément il emploie un vrai fiot. Génial, génial. Nous avons fini le niveau. Et donc, à chaque fois on finit avec un peu d'avance. Là je dois avoir 5, presque 10 minutes d'avance. C'est pas mal ça. Là je vois pas trop où ça va être. Allez, allez, on progresse. Continuer l'histoire, oui. Alors là, j'imagine qu'il va y avoir la cinématique de l'arrivée au gouffre de Helm. Alors à quoi il ressemble dans le jeu? Je sais à quoi il ressemble en Lego IRL, parce que j'ai eu ça à Noël. Oh, comment je suis trop content! Ah, franchement, si vous êtes amateur de Lego, je vous le conseille franchement, ils l'ont bien réussi. Franchement, ils l'ont très très bien réussi. Et donc je me demande bien comment ils se sont débrouillés pour le faire dans ce... Alors là, Edoras. Ah oui, d'accord, on n'a pas super énormément beaucoup avancé. Allez, on continue. C'est pas par là. Le gouffre de Helm, c'est par là. Ok. Palapapa, il va y avoir un léger vombrissement derrière, c'est pas très très grave. J'ai oublié d'enlever le mode vibreur de mon portable. Bon, c'est pas super important. Quoique je sais pas si on entend, j'ai trouvé un système pour enlever les bruits parasites, mais je sais pas si ça fonctionne vraiment, c'est juste du coup. À voir. Je verrai ça au montage. Au pire, si vous l'entendez pas, c'est tant mieux, et puis sinon, bah, c'est pas très très grave. Écoutez, on va pas directement entrer dans le gouffre de Helm, parce que ça va sûrement lancer un prochain niveau. Et on peut récupérer nos chevaux, excellent. Legolas sera sûrement plus utile à cheval. Ah, avant, la statue. Voilà. Très bien. Ok. Qui c'est à toi? Urukai. Ah, on peut acheter des Urukai l'ennemi. Tiens, d'ailleurs, j'ai repéré la zone où on peut acheter l'Urdz, qui est quelque part dans la forêt de Fangorn, ou devant plutôt. C'est qui ça? Gamelin. Gamelin, on peut lâcher dans la forêt de Fangorn. What is the rapport? Je sais pas. Faut que j'arrête de parler en anglais comme ça, c'est parfaitement ridicule. Ah, flûte! J'ai pas débloqué la statue qui est là. Forcément, on n'est pas vraiment entré dans Edoras. Eh ben, écoutez. On va faire, vu qu'il reste une ou deux minutes à peu près pour atteindre les 40 minutes, on va faire un petit tour du truc en caméra. Donc si ça ne vous intéresse pas de me voir détruire des trucs, vous pouvez quitter à partir de là. Il n'y aura plus de trucs intéressants normalement. Ah, tac. Ah, décidément, j'adore ce système de tir à l'arc. Allez, hop, voilà. Par contre, ce système de cheval, je déteste totalement. Eh ben, écoutez, on va... on va finir cette vidéo, du coup. On va aller... Oh non, une course! Bah voilà, pour finir cette vidéo, on va terminer sur cette course. Oh, il y en avait une comme ça, déjà. Ok. Ah, loupé, j'ai loupé le truc. On recommence, on va recommencer. Bon, du coup, ça va faire un niveau un peu plus long que prévu. Mais c'est déjà ça. Et ok. Ben voilà. Il y en avait... Donc c'était la course dont je vous parlais déjà dans un des précédents épisodes qu'il y avait autour du Mont Ventoux. Alors le truc, c'est super difficile à repérer. Là, ça va, c'est plus facile, on est dans des plaies en même temps. Ça y est, je me suis paumé, j'ai perdu. Non, t'enfuis pas! Oh, pour le récupérer après, comment on fait?
Donc il fallait sûrement tourner à droite, et moi je me suis fait avoir. Voilà, donc comme ça je vais le faire hors caméra, en caméra, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. J'imagine donc du coup qu'il va y en avoir plusieurs, vu que c'est déjà la deuxième. Et ouais, franchement c'est bien sympathique ces trucs. C'est compliqué parce qu'on les repère pas bien, mais c'est sympathique. Allez, c'est parti, on recommence. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai perdu? Qu'est-ce que... Bon, pas tout bien pigé. Oh, il y a une quête là-bas. Un autre roucaille. Décidément. Un de mes pères m'a emprunté mon épée au rook spécial lorsqu'ils ont attaqué Amonen. Mais il ne l'a jamais ramené. En plus, il n'est pas revenu non plus. Peu importe, trouvez-la pour moi. C'est bon. On se fait donner des quêtes par des Uruk-hai. Waouh. Genre on les tue pas, tu vois, on accepte qu'ils nous donnent des quêtes. Space quand même. Qui est jamais revenu non plus. Ben non, ça doit être moi qui ai débuté. T'es sympa, dis donc. Alors là, j'ai pas pigé. Ah si, j'ai pigé, d'accord. Oh là 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 là, décidément, décidément. Je suis mauvais. Faut vraiment connaître le chemin par cœur pour réussir à réaliser cette putain de course. Allez, on retourne. Ah, je le vois, les précédents. Le suivant, pardon. C'est la fin, oui! Oui, j'ai réussi à terminer cette fucking course! Voilà, oh, et en plus, ah oui, je vous l'avais, je sais plus si je vous l'avais déjà dit, mais ça rapporte franchement un tas de pièces, pas possible, et un bloc de mithril. Et nous sommes à côté des hangars. Eh ben, écoutez, on va donc se quitter là-dessus. Donc, je vous dis à plus et à un prochain épisode. Salut!